Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en live pour une petite vidéo de détente. Je voulais faire cette petite vidéo là, je voulais vous expliquer le pourquoi, désolé. En une part, désolé si j'ai pas fait de vidéo depuis 3 à 4 jours, j'ai pas mis de vidéo sur la chaîne. Le souci c'est que je vais vous expliquer le pourquoi. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo qui détente un peu, parce que je sais pas trop quoi faire comme vidéo. Alors, j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne tout simplement parce qu'en fait j'ai reçu vendredi le coffret de GTA sur PC. Alors GTA 5 sur PC, donc voilà, j'ai commandé sur Amazon GTA sur PC. Et je l'ai installé sur le PC, donc tout marche et tout. Et le souci c'est que en fait ça freeze un peu, donc je pense que mon PC n'est pas assez puissant. Je suis un peu dommage, un peu deg, parce que en fait j'ai installé des mods, j'ai une mode menu dessus et tout. En gros je peux voilà me transformer en personnage ou donc là je précise, bien sûr je suis sur Xbox, hein. C'est pas sur PS3, le PC. Donc j'avais le même menu, en fait je pouvais me transformer en personnage et tout ça, ça marche. Et ceci en fait c'est que ça rame un peu. J'ai voulu faire une vidéo tout à l'heure dessus. Et le souci c'est que ça a pas... Désolé pour le bruit du téléphone. Le téléphone qui sonne, désolé. C'est juste que j'ai pas pu faire une vidéo dessus aujourd'hui sur... GTA PC, parce qu'en fait le souci c'est que ça a bugué, mon PC a frisé, donc c'est un peu embêtant. J'avais préparé vraiment des vidéos bug, pas des bugs mais des modes à vous présenter, genre voilà, c'était des bugs connus mais pour commencer. Et après je voulais faire un peu vous montrer des villas, des maisons, c'est un peu pareil, voitures, des trucs comme ça, des trucs pas mal. Et ceci c'est que ça rame vraiment. On voit le jeu qui tourne en ralenti, le personnage qui est super long à courir, et aussi je roule avec une voiture ou quand je marche à pied, on voit à travers le sol, voilà la route elle est pas... On voit pas vraiment la route, voilà, il y a vraiment des bugs de le bug du jeu. Donc je pense que mon PC n'est pas assez puissant, j'ai dû bien me renseigner parce que je me suis renseigné, mais oui ça peut le faire, tu peux avoir GTA. Et en fait non, en fait ça marche pas, ça marche, mais le souci c'est que ça rame un peu, ça freeze. Je suis un peu deg, j'ai supprimé des choses sur le PC, donc du coup ça sert à rien. Donc je suis un peu désolé, j'aurais bien voulu vous présenter des mods, ça m'a fait super plaisir, c'était le but que je voulais faire. Et sauf si vous connaissez un moyen de... que le PC bug pas, en fait c'est un PC, alors je veux dire la marque du PC bougez pas, c'est un Acer. Ça doit faire 3 ou 4 ans je l'ai à peu près celui-là, parce que le premier qu'il avait il m'avait lâché, celui-là ça a fait 3-4 ans je l'ai à peu près. Donc je voulais savoir, est-ce que avec un PC normal comme ça, est-ce que on peut trouver un moyen pour éviter que le jeu bug ou pas. Donc si vous savez comment faut faire, je veux bien une petite astuce. Ça me fera super plaisir parce que ça m'embête. J'aurais bien voulu vous présenter des mods sur GTA. Et je pense que ça vous aura peut-être plu. Donc je suis un peu dégoûté. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant 2-3 jours. Parce que j'ai cherché de mon côté. Et du coup voilà, c'était pas facile. Et en même temps j'ai plus d'idées de vidéos sur console. Donc voilà, là on arrive sur console. J'ai plus vraiment d'idées de console, donc si vous voulez m'aider s'il vous plaît à trouver des petites idées de vidéos sur console, sur soit GTA ou Black Ops 3, ou continuer des vidéos sur Assassin's Creed de Syndicate, ou et voilà, c'est à vous de... Je suis un peu, on va dire, à la traîne un peu, on va dire comme ça, je crois. Mais c'est vrai, j'ai du mal à... J'ai plus d'idées de vidéos, je sais plus quoi faire comme vidéo, donc j'essaie de trouver de mon côté mais j'arrive pas. Si ça vous intéresse de faire des courses, activités, what the fuck, il n'y a pas de soucis, venez rejoindre le crew d'abonnés sur Social Club, il y a le crew d'abonnés sur Xbox One, vous pouvez rejoindre, comme ça on peut faire des vidéos ensemble, courses, activités, what the fuck, voilà, des trucs comme ça.
Donc c'est pour ça que je cherche un peu de monde sur Xbox One pour faire des vidéos. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo entièrement. Du coup c'est pour ça que je cherche du monde et j'ai pas trop d'idées de vidéos. Je suis un peu, je rame un peu, voilà. J'ai envie de vous dire, je rame vraiment. Donc je sais pas quoi faire. Bon là il y a la nouvelle mise à jour qui va arriver, donc voilà, je vais faire des vidéos sur la nouvelle mise à jour qui va arriver. Mais certes, j'ai plus trop d'idées de vidéos, c'est un peu embêtant et voilà, vous pouvez comprendre, c'est un peu embêtant quand vous n'avez pas trop d'idées, vous savez pas quoi faire. Bon là, j'avoue, là c'était le week-end, il y a eu la fête des mères, donc du coup, bah voilà, on a profité en famille aussi. J'étais avec Miss Superflow, donc du coup, voilà, on a profité aussi. Mais j'ai pas vraiment trop d'idées. À la base, je voulais faire des vidéos sur GTA. PC en mode bah des modes, mais comme ça marche pas, donc voilà, il n'y a pas de vidéo. Je suis un peu dégoûté, vous pouvez comprendre. C'est pour ça que je fais une vidéo détente. Donc voilà, bah donnez-moi des idées de vidéos à faire sur console Xbox One, sur Black Ops 3 et GTA, et aussi du Assassin's Creed Syndicate si ça vous tente. Et bah, si vous avez une petite idée, une petite astuce s'il vous plaît pour éviter que le PC rame si je fais tourner GTA, y a pas de souci, aidez-moi, bah vous avez mon. Bah, vous pouvez me dire ça en commentaire sur Twitter, Facebook ou sur Skype ou sur YouTube. Ça me fera super plaisir, comme ça vous pouvez m'aider en me disant bah il faut faire ça, il faut faire ça, voilà, ça pourra m'aider. Si vous connaissez des petites astuces ou si vous connaissez, vous avez déjà vu une vidéo, vous pouvez m'envoyer le lien de cette vidéo, il n'y a pas de souci, comme ça je pourrai regarder. J'ai cherché un peu sur YouTube, j'ai pas trouvé, et c'est pas très simple quand on connaît pas, et du coup là je suis un peu embêté parce que j'aurais bien voulu vous présenter des modes. Je l'ai installé, le mode menu, mais le souci c'est que ça frise un peu, voilà, on voit vraiment les textures un peu bizarres. Dès que je balade, genre dès que je vais sur la route, bah la route a frise, même un immeuble, l'immeuble je le vois transparent, mais je vois la cheminée, et voilà. Quand je conduis une voiture, genre je suis à côté d'un pont, bah le pont en principe il est fini, et ben non, ça va taper dans un mur, donc le mur on sait pas où il est et tout, c'est vraiment embêtant. Donc du coup voilà, j'ai fait c'était une petite vidéo détente, ça fait longtemps, j'en ai pas fait une. Et c'est pour ça que je voulais savoir si vous connaissez un peu comment ça s'appelle, un peu d'idées pour éviter que GTA bug sur PC, et aussi des idées de vidéos à faire sur comment ça s'appelle, ah dommage, ça a été magnifique, sur console, sur Xbox One. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser de me rejoindre sur Facebook et aussi mon crew d'abonnés, donc sur Social Club qui est dans la description. Et si vous avez toutes des questions ou bah, si vous avez une petite idée, bah aidez moi ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis bon game à tous et peace tout le monde, et je vous dis à très vite et ciao, bye bye, peace tout le monde.